Hi, hi, hi. Comment ça va? Ah, là, 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 là. Je vous ai pas manqué quand même. Il y a eu des lives, hein, les gars. J'étais là hier soir. Mon Dieu. C'est la pire intro en UW, genre. Oh, c'est grave. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau, là? On est bien? Tranquille, au bidou. On arrive là. On est bien, tranquille bidou. C'est vendredi. On rappelle qu'Halloween, ça va faire très très peu. Oh, on est vendredi. Pouah, ouais, il y a déjà un problème. On est samedi, ok? On est samedi. Et ça sera déjà le bordel pour lundi. Hein. J'ai quelques idées pour acheter des sons et tout ça, tout ça, tout ça, mais là pour le coup j'avoue je bloque un peu. 2 jours par jour c'était un petit peu de trop. Enfin 2 sons par jour c'est trop. Tanuri est disponible maintenant, c'est arrivé hein. Ça arrive, il y a Tanuri, ok. Le temps qu'on... Hop, tant que ça charge Tanuri. Hop là. Il est beau hein. Faut le charger pour capter un petit peu, mais tout petit. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à contrôle, ok. J'avoue, je connais pas du tout le jeu, je connais pas du tout le but du jeu. Je sais juste qu'on contrôle des choses, le temps, il me semble. Voilà. La pire intro en UW aussi. Hein. C'est grave. Tac. Alors, attendez, le temps que je lance. Tout suivant. En fait, je regarde un petit peu le tonneau, il est pas mal, hein. Non, il y avait des bonnes idées, hein. Mais bon, je suis quand même convaincu que mon démon était pas mauvais non plus. Hop là. Comment ça va? S'il vient de mettre un visage sur une voix, c'est ok, ça c'est bien. Bon, samedi c'est l'heure d'en profiter, j'avoue je me suis levé tôt. Bon, laisse tomber, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi cette nuit, hein, genre j'ai regardé une petite vidéo tranquillement, je me suis endormi dessus et ce matin me réveillant, genre laissé tomber, genre j'avais déjà ma fenêtre qui était sans rideau, genre. Je voyais le soleil, enfin la lumière m'a défoncé les yeux. Je me suis retourné, j'ai vu mon PC allumé, je fais oh shit. Et après la pire dinguerie c'est j'ai fait un demi-tour sur moi-même et j'ai senti mon casque sur mon coude, j'ai fait oh le con. Oh c'est pas grave. Mais bon, c'est mieux si ça arrive pas quoi. Allez, it's time to get into the game. Allez, alors le jeu. Inquiétement. Ouais, il y aura beaucoup de flou lumineux apparemment et beaucoup de flash. Préparez-vous. Contrôle. Appuyez sur entrée pour commencer. Bon, pour l'instant, j'ai compris le but du jeu. Contrôle. Nouvelle partie. Pour l'instant, les graphiques sont beaux, hein. Je vais vous mettre les sous-titres. Excusez-moi. Je vais mettre les sous-titres. C'est fluide sur le stream, c'est bon? Si je fais ça. Ouais. Après, on est en chargement, on est pas in-game. Hein. Tu défies tes désirs. Ce sera plus étrange que d'habitude. Ah. On n'a pas le choix. Tu m'as appelé. Alors me voilà. Oui. Me voilà. Je sais, je t'ai ignoré parfois. Mais je suis toujours contente de t'entendre.
C'est juste que... j'ai tendance à espérer un peu vite. Et trop souvent, ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. En tout cas, pour l'instant, les graphismes ont l'air ok. C'est comme si... le menu est plus joli. Tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde, c'est que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film... avec la prison... C'est avec quoi, la prison. Bref. La chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge. Une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Hein? Ils nous mentent. C'est bizarre ça, quand même. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand. Et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. Ok. On se sent en sécurité dans la chambre. Alors je vois que ça frise un peu. Hein. Parfois, il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent. Je vais rapidement à la cinématique et ensuite je passe les graphismes. Est-ce qu'on pourrait pas la passer à la cinématique sinon? Ah si, on peut sur pause, ok, autant pour moi. Affichage. Texture tout en faible, effet de reflet, on va mettre désactivé. Occlusion ambiante, bah, on est obligé d'enlever malheureusement. Faux cinétique, c'est pareil. Vraiment, ça devrait être bon pour vous, là. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Ça change rien du tout. Ça peut être compliqué. Tout en faible, hein. Là, malheureusement, fonctionne toujours pas. Je vais essayer sans bordure. Mais... non, ça bug aussi. Bon, Eh oh! Y'a quelqu'un? Ça bug. En fait, je sais pas comment le stream ce jeu. Parce qu'en fait, c'est pas une question de qualité, c'est une question de sur le stream le rendu. Parce que là, sur le menu, il n'y a pas de souci. C'est vraiment in-game qui a un souci. Autant tout au minimum. Hein. Tout au minimum. Le de butin, ça je peux pas toucher. Aïe 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 aïe, je pense que c'est une fin de game déjà. On vient de commencer, c'est déjà fini. Mon dieu. Ah, c'est grave. Et simplement fenêtré, même si c'est dégueulasse. Ah. Non, c'est pareil. Bon. C'est bête, c'était une fin de jeu. Ça a commencé, c'est déjà fini. Ah bah s'il est déjà au minimum et que je peux pas faire grand chose, malheureusement il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ah c'est pas grave, on va faire autre chose, hein. On va trouver.
Autre chose. Little Nightmares, on peut le continuer. Si vous voulez, vu que contrôle fonctionne pas. Malheureusement. Compliqué. On va remettre petit maître malin quand même. Hop. Ce qui me fait rire, c'est que quand je mets petit et très malin dans le titre, ça me fait penser aux Sauve-Tout. C'est un vieux dessin animé, les Sauve-Tout. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent pas, c'est trop vieux. Je suis un boomer, moi. Hop là. Hop. Le soleil. Il y a des DLC sur Little Nightmares. Petit cauchemar. Oh, malheureusement. Excusez-moi, je devrais faire de contrôle tout seul dans mon coin. Pourtant, j'ai du bon matériel, hein, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Parce que ce stream sur d'autres chaînes. Je sais pas du tout, malheureusement. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui streamaient contrôle déjà, alors est-ce que c'est pour les mêmes raisons que moi? Là, je pourrais pas vous dire. Alors, on va reprendre là où on était. On était chapitre 3. Hop là. Allez, le son du jeu, s'il vous plaît. Ah, oui, donc on était prisonnier, c'est ça. Et si on attend, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il nous attrape? Ou est-ce qu'il ne vient pas? Dans le doute, on doit quand même partir, hein. On n'est pas fou, on a peur. Allez, wake up, wake up. Ça, on l'a fait la dernière fois, on avait poussé la case vers le bas. Hop. On était parti ici. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ici on ne peut rien faire, malheureusement faut qu'on avance vers le monsieur qui essaie de nous kidnapper. Wesh. Ah je me disais, y a pas eu des cages à récupérer ou... Bon, désolé poto, on va servir de toi. Il y a un petit emplacement en bas hein, qui montre bien où est-ce qu'il faut le placer, hein, ça c'est cool. Ok, bien remonter jusqu'en haut. Ah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh, j'ai fait me faire avoir. Là, j'avoue, je sais pas comment faire. Soit on peut pas bouger plus de cage. On peut trouver quelque chose pour accrocher. Attendez. Non, ça on peut pas. Là, si on monte sur les cages, j'ai peut-être quelque chose à récupérer, non? Si on peut grimper, c'est pas anodin. Hello! Franchement, je sais pas. Nouvelle catégorie. Ok. Ah, il y a un saut, attendez. On peut pas le déplacer le saut.
Dommage. Dommage, dommage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose derrière, peut-être? Non. Ouais, plus simple. Si on ouvre la cage au mec pour qu'il puisse sortir. Non. Bah, voilà, non. Les cages de tout le monde peut-être, non? Ah, bouhouhou, je suis tout seul. Bah ouais, normal mec. Et je peux monter sur le tuyau là? Bon, c'est pas grave. Je pensais que j'étais mort. Bon, là-dessus, ça aurait été grave quand même. Allez, on va réessayer. On peut se balancer. Ah ouais, mais j'ai pas toutes les mécaniques du jeu. Ça, je sais, c'est bizarre. Hop. Parce qu'on va aller vite, hein. Ah bah ouais, mais il manque des mécaniques, les gars. En vrai, je pense qu'il mettrait les touches affichées sur les murs, ce serait nickel. Parce que là, à part patienter un petit peu et puis là, ensuite découvrir, c'est compliqué. Donc, faut aller à droite, c'est la salle à droite, j'ai vu, de l'autre côté du mur. Mais là, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est la question. Je vais toquer. Hello! S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait, mon verso là? Attends, il touche la porte. Ah, ouais, ouais c'est une porte, ouais. Non mais ah ok. Ouf. Ah ça cracote bien. Hein. On sent que personne n'est vu pendant 1000 ans quoi. Hop. On entend le mec un peu énervé. Bah il est là. Ah il ne joue qu'au son hein. Ah, du coup, qu'est-ce qu'il fait avec les bébêtes? Il faut marcher sur les tapis. Hein. Parce que le parquet il craque. Ok, non, en vrai, c'est une mécanique smart. En vrai, c'est une bonne mécanique de jeu. Là, je vois qu'il y a un tapis sur la cage. C'est-à-dire que je monte sur la cage? Ouais, faut que j'atterrisse sur le tapis en sautant, genre. Ça se joue en vrai, hein. Full clean. On prend le levier, donc ça paraît logique pour l'instant. L'énigme, hop, on est bon. Hop, allez. Allez vite. Prop. Ah bah ça je m'en sors. Alors, après est-ce que son bras va s'étirer, c'est la question. Je suis sûr il en serait capable hein. Ah bah ouais. Non. Allez poursuis-moi avec ton bras, c'est évident que tu vas le faire mec. Évident. Non. Mais pourquoi il collectionne des chaussures? Je nage dans les chaussures. Ah. Un requin chaussure. Enfin un requin des chaussures. Hop là. Ouais. Donc il y a un monstre parmi les chaussures. Ok. Et maintenant comment on fait? C'est la question. Les questions 1 million. Parce que si je veux droite, il va me cueillir. C'est sûr à 1000%. Oh, c'est loin en plus. Hein. Ah
parce qu'il finit sur notre dernière position. Donc le but c'est d'emmener super loin et d'aller super vite. Mais à part Bunny Hop, je vois pas. Pour l'instant, du moins. Mais c'est sûr qu'il allait nous attraper, c'est sûr. Là-bas, je vois une chaise. Voilà, la chaise, on peut même pas y aller. Hop. Mais il y a un saut en l'air et ça me... Ah, ça me fait poser certaines questions. Bon, il y a une chaise là. Il y a une chaise, il y a une chaise. Oh. Je vais me faire avoir, mais il y a une chaise. Ah, quoi que, en vrai, il y a moyen. Ah, ça se négocie, hein. Bien joué. Bien joué à moi-même. Hop. Alors, où est-ce qu'on arrive maintenant? Oui. Allô? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas très content. Ah bah voilà. Trouvé. Ah, il joue au son donc on va aller vite, hein. On va courir. Tu mourras jamais. Jamais. La boîte, normalement, je suis safe. Il fallait que je trouve un... En fait, là, il faut que je trouve un objet pour lui fermer la porte. Ah bah, il a fermé la porte. Bah, viens avec moi, mec, si tu veux. Mais, franchement, je sais pas. En fait, le but, c'est de te faire peur en disant, bon, il est juste à côté de toi, il est en train de chercher partout. Ça se trouve, il va pas m'attraper, hein. Je sais pas qu'il y a un trou dans la caisse là. Ah, merci les copains. Hop. Il y a un truc avec la lumière, c'est sûr. C'est quoi la blague? Que c'est la boîte à jouer, mais je sais pas comment. Attendez, on va pousser la boîte à jouer sur la planche là qui est en train de descendre. Tout doucement, mais sûrement. Non? Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut encore le déplacer un peu, mais il veut pas le déplacer. Eh ben voilà! Hop là! Eh mes copains! Hello! Ils ont peur de moi, hein. Je sais pas pourquoi ils ont peur de moi. Si je crois il m'entend pas. Non. Il y avait un singe à ses pieds. Deux singes à ses pieds. Faut jouer avec les singes et faire du bruit. Donc là il y aura une course poursuite, hein, je pense. Avec les singes, il faudra que. Je fasse beaucoup de bruit. Par où je monte? Non. Moi c'est la caisse là, mais ça me paraît bizarre que ce soit la caisse là. Non, on peut pas. Ils savent qu'on doit revenir là, les développeurs là. Ah bah ouais. Hop, on est sur le tapis. Techniquement, on peut faire ça. Il a pas entendu?
Bah là. Viens là. Il est pas du bon côté là par contre. Il y a trois singes donc il faut qu'on t'en pose super longtemps. Réponse. Ok. Ouais, mais il va balancer ses bras, non? Évident, évident, évident. Mais ses bras ne s'allongent pas plus que ça, il a une taille prédéfinie sur ses bras. Hein. Il va me poursuivre là, non? À chaque fois, je me dis, il va me poursuivre. Pour moi, ça me paraît évident qu'il va allonger ses bras à un moment, mais apparemment il peut pas le faire. Ah. Là, le tapis s'arrête ici, là. Mais on le voit mal avec la lumière. Ah, les développeurs. Ça, il est au-dessus, il va m'attendre, il va m'attraper, hein. Non? C'est quoi là par terre? C'est sûr, il va arriver de toute façon. Dans la pièce à côté? Ouais, on voit ses mains, ok. Alors? Que signifie tout ceci? Je sais pas où il est précisément le mob. Oh, il est pas content là. Non mais il y a mille bouts en même temps, il est pas bien le mec en face. Ah, j'ai capté. Ah, il m'a attrapé? Ouais, il a eu un instinct le mec en face, ça laisse tomber. Ah mais en fait faut jouer avec les autres genre. Comme dans Sniper Elite 4, je sais pas si vous connaissez Sniper Elite. Hein. Quand vous aviez une enclume qui tapait, hein, ou je sais plus comment ça s'appelait, c'est une enclume quoi. Genre fallait faire le tir en même temps que le son pour bon, enfin pour atténuer le son. Après là c'est le tapis. Hein. Ça se met à sonner, non? Ah, il faut jeter la chaussure là-dessus. On va attendre un peu, dès que ça va repartir, on va relancer. Hein. Fou. Dès qu'il y a les anges, on tape. Horloge, aidez-moi. Ils vont pas tomber les livres quand même, si je les pousse pas. Ah, d'accord. Je vois. Mais c'est sûr qu'il y en a un qui va tomber à 1000%. Oui. Pas que je fasse du parcours entre les livres quand même, ça va être dur. Ah non, je peux monter comme ça directement, ok. Qu'est-ce que je dois faire avec le piano qui est au-dessus? Moi, la lumière, je peux pas l'attraper, c'est normal. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec le piano qui est au-dessus? Hein. Tout le monde dirait plutôt il faut le couper le piano, mais peut-être pour qu'il tombe et qu'il fasse masse bruit.
Un livre est tombé. Vous pouvez y jouer? Allez! Je me sens comme un choc qui marche sur les pianos, tu sais. Ouais. Ah, je vois, ok. Bon. J'ai pas capté tout de suite qu'il fallait sauter sur l'if qui était à gauche. Et ça arrive, ça arrive. On apprend tout doucement, les gars, on apprend tout doucement. Hop. Hop là. Encore un livre. Encore un livre. Je veux dire, le méchant il va péter un câble. Parce que s'il est en bas, tous les livres qui vont tomber dessus. Hein. Mais non, ça, en vrai, ça il est là. Il va moins s'énerver. Bon, là, sur le tapis directement, ils ont été coulés, développeurs. Alors il nous faut et la lumière et le symbole. La lumière, non. Il nous faut et le symbole et comment ça s'appelle? Et marcher sur le tapis. Parce que lui il me fera pas de cadeau, hein. Là c'est un one shot qu'il me propose le mec en face. Mais c'est sûr qu'il y a un livre qui va tomber et je vais devoir jouer avec le singe qui est au-dessus là-haut. Les livres ne font pas de bruit aussi, ça c'est bien foutu. La mécanique de son est bien dans le jeu, c'est bien. Ils sont tombés en bas, mec. Hein. On est d'accord. Le clown sera pour après. En vrai, ces bâtards ils ont mis plein d'obstacles qu'on peut pas esquiver. Enfin, on peut esquiver, mais il faut être vraiment pixel quoi. Hop. Oh, ça c'est bien ça. Le paquet craquer un peu. Je pense qu'il va falloir d'abord ça le mettre sur la caisse. Non. Bon, déjà il faut allumer ça. Et c'est normal, mais qu'en face, il entend la télé, c'est son émission préférée. C'est un truc pour partir. J'ai du tapis sur la table, donc c'est-à-dire qu'il faut se mettre là, c'est certain. Ouais, elle est amusante la musique. Hein. Ah. C'est vrai que les caisses elles ont pas de mousse, elles sont pas en. Ouais, en cuir. Ah. Les balles, on dirait, elles sont en. Enfin, en carton. En... Tu sais, du coup, c'est vraiment un matériau qui est pas ouf. Niveau sonore. Enfin, niveau isolation sonore, il est pas. Il y a mieux quoi. Bon, tu sais, elle est en cuir, elle est bien celle-là. Le seul crack que je fonce. Hein. Là, il va craquer très fort le sol. Vous êtes prêts? Après, là, on a le volume à fond sur la télé, donc ça va, tu vois. Ram pam param pam 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 ram param param pam pam pam. Je
pense que c'est assez, le piano il est assez monté. Hein. Ouais non, easy, easy. Vite à droite. L'émission s'est terminée. Ah, c'est qui a perdu? C'est quelle équipe qui a perdu? Là, il y en a vraiment marre de moi, le mob il va me courser je sais pas où. Hein. Ah, je suis sûr qu'il y en a vraiment marre de moi là, le mob. Il est vraiment très très marre. Que ça me tue ça, je suis passé à côté tout à l'heure en me disant bah ça va me tuer, bah voilà ça me tue, mais qu'est-ce qu'il faut faire passer de l'autre côté, ça la question. Ah il y a un wagon, ouais ouais si si, ok, en vrai ça se comprend. Hop, faut que j'aille passer de l'autre côté, enfin de l'autre côté de la fumée, donc faut que je mette à gauche de la fumée puis à droite de la fumée. Hop. Il recule? Non, ça va. Si reculer, c'était dur. Hein. Franchement. Les rouages sont pas en fonction du wagon. C'est ok. Logique, hein, mais on sait jamais. Coup de folie. Et là, hop, la poignée. Ça, le jeu, on le smurf, hein, c'est ok. Ouh. Ça fait du bruit, il va pas aimer l'autre monsieur. Il va descendre comme Spider-Man. Ouais. Il y a forcément quelqu'un qui va nous poursuivre. Genre, c'est sûr qu'il va faire passer ses bras dans les conduits ou quelque chose comme ça. Bah voilà, je l'ai dit, c'est obligé. J'étais surpris, mais c'était obligé. Certain. Putain, pourtant le rail il s'enfuit, c'était logique. Hein. Un coup il te prendra dans les égouts, c'est certain. En plus il y avait une cachette ici, genre. Donne-moi plus évident. Une main à droite, une main à gauche. Pourtant j'ai fait un bond là, là j'ai fait un bond. Mais une main à droite, une main à gauche, c'est logique. Voyez. Y'a que c'est un passant de tracé. Et le rat? Où est le rat? Bon, il y a Spider-Man qui va arriver. Ah, je me suis accroupi pourtant. Mais bien sûr, il s'est pas accroupi assez vite. J'ai appuyé sur la touche de s'accroupir, il a fait attends! Attends! D'abord, je m'arrête. Alors, commence tout droit. Ah il a glissé, ok nickel. Fais gaffe à des mains, gros, ça va tomber hein. Je vais te faire mal mec. Je vais te faire trancher la tête, fais attention. Ça va claquer. Attention. Attention, ça va tomber. Tu vas te faire couper les bras, fais attention. Je te le dis, je te le répète, fais gaffe maintenant. Non. Ça va craquer mec, fais attention. Et si je tire la cage? Je suis un malade hein, mais si je tire la cage. Non ça marche pas, je peux pas tirer la cage. Et elle se brise en la cage là. J'ai quelque chose à faire moi de mon côté? Ouais non, faut que je fasse quelque chose. Bah. Ok la sauvegarde c'est bien. Bon, déjà faut que je monte là-dessus, peut-être la trappe, mais la trappe ça me semblerait bizarre quand même. C'est pas ça. C'est pas ça. T'as rien ici à passer là?
Non. Et la trappe passe au niveau suivant, mais je vois pas comment passer au niveau suivant, ça la vraie question. Il y a toujours les mêmes animations le boss, donc faut que j'arrive à passer sur un timing où il y a rien, mais... Pour faire quoi? C'est ça la question. Ah bah voilà, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On dirait un combat de boss. Ah, faut que je tire l'autre truc qui est en bas maintenant. Okay. Oh, deux. Limite, hein, il a failli me choper. Ah, j'ai dit que t'allais avoir des bras coupés, fais gaffe, mec. Hein. Ah, il est pas content, il est en train de pleurer. Oh, il se plaint. Ah, cheater, cheater, t'avais qu'à pas courir. Pas besoin, ça pas le droit de courir. Bon, au moins, il pourra plus me courser avec ses bras. Voilà. Quick le boss, quick. Easy. Boom. Elle trouve bien la musique de la télé. En tout cas, le rythme est bien. En tout cas, le rythme. Les paroles, je sais pas ce que ça veut dire, mais le rythme est bien. On monte comment? Ça n'a pas changé, peut-être. Allô? E, F, Shift. HTMI 3. Ouais, je suis bête, c'est clic gauche. Ah non, je suis trop bête. My bad, my bad. My bad, my bad. En une seconde, j'ai... Enfin, en une seconde. En 10 secondes, j'ai pas eu tous les contrôles du jeu, genre, c'est grave. On est où, là? Ok. Hello. Ça va? Alors là, on est perdu. Peut-être ça, hein, simplement. Il fallait monter sur le corps pour prendre un crochet, mais on est tellement smart qu'on le fait sans monter sur le corps. Est-ce qu'on peut lâcher? Ah oui, on peut lâcher. Ok, ok, ok. C'est bon, on fait des tests, on expérimente le jeu, les gars. On expérimente très fort. Mon dieu. Oh, le crochet. Non, non. Reviens. On a besoin du mec. Hop, hop. Non! Non! Je vais faire comme dans les films d'action, mais c'était risqué, trop risqué. Il y en avait un autre. Oh, j'ai mal joué. Bah. Quoi? Encore un, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ah, c'est grave, hein. Ah, il y a un mec tout là-haut. Une petite toque de cuisinier, il est parti fumer. Ok. Alors après, ouais, ça mérite une boucherie. Après la question c'est, est-ce que c'est un boss par niveau? Et du coup tu comptes un niveau, enfin un fat niveau, tu sais, un gros gros niveau. Ou est-ce que tu comptes plusieurs boss par niveau et t'en bats un seul? C'est ça la question. Pour l'instant on a vu un boss par niveau. Pour l'instant toujours. Hein. Ouais, là, c'est bien une boucherie. Hein. Ah, il y a un rat. Allô? T'as mangé le rat? Notre perso devient fou! Il va le manger, il est piégé. Oui, il va le manger. Notre perso, il devient fou. Il mange de la viande, puis du rat. Il est obligé de le manger. Hein. Notre perso, c'est quoi exactement? On sait même pas ce que c'est. Il met une musique. On est des tueurs. Hop, faut tomber la plaque. Suivant. Oh, mais I'm screwed.
Il y a beaucoup de temps, est-ce qu'on arrive là où le cuisinier fait ses plats? Enfin, le cuisinier, le boucher. Ok, le chariot, qu'est-ce que t'as à me dire? Hello! Ah ouais, là on est parti commander un bon plat. Là. Bon, il y a des ingrédients, ça va. Hein. Alors le boss il joue à quoi? Au son. Visuel. Oh, il est beau. Il est beau celui-là. Il est énervé quand il tranche. Ouais. Ah bah lui il doit être lent. Là il me voit, il ouvre la porte, non. Je suis plus là. Ah non, en vrai il est lent, il est lent, il est très lent. Ah, il y a une clé à récupérer, mais où est la clé? Autre question très importante, du coup. S'il est venu jusqu'ici, c'est qu'il doit y avoir la clé ici. Il a pris du sel, ouais. En course poursuite, on doit être plus rapide que lui, c'est quasiment certain. Il conserve le poisson, c'est bien. Non, la question c'est où est la clé? Non, c'est bon. Il a eu peur quand j'ai fermé le... Ah bah ouais, c'est normal. Alors, où est-ce que je suis? Attention, il est haut le petit, il est haut. Peut-être dans sa première cuisine. Est-ce que je vois mal ou est-ce qu'il pourrait être... Après il y a plein de rangements, ça qui embête un peu. Parce que la clé, il faut que j'arrive à la passer d'un point A à un point B en fait. Mais où est la clé? Pas la clé là-dedans? Non. Ici non plus. Parce que la salle du coup sert à m'introduire à la cuisine, on est d'accord. Et c'est ici du coup dans la zone 2 que je suis censé récupérer la clé du coup vu que le boss reste dans la zone 2. Là il y a un apprend de toute façon. En dessous du meuble il n'y a rien. Non donc c'est forcément dans la zone 2 qu'il y a la clé. Hein. Mais où? Fermé. Faut que je trouve la clé, mais je sais pas où elle est. Alors s'il l'aurait sur lui, ça aurait été plus simple en quelque sorte, mais... Bon, il est malade en plus, non? Les méchants malades sont les plus simples à éliminer. Voilà. Ah mais où est la clé? C'est grave. Elle est pas en l'air la clé, elle est pas en bas, elle est où? Sous la table. Mais la clé s'il vous plaît. Mais il revient pas en zone 1. C'est quelle fois? Ah si, il revient en zone 1. Il y
qui repart en zone 2. C'est bizarre, hein. Enfin, si j'ouvre les fours, y'a rien. Je peux même pas les ouvrir, hein. Ils sont trop fermés. Hein. Il y a trop de force, le monsieur, je peux pas. Ça me donne faim. En vrai, excusez-moi, mais ça me donne faim. Là-dedans, il n'y a pas la clé. Quand même, on sait jamais. Hein. Il fait des tractions, mon perso. Ouh. Où est-ce qu'il y a cette foutue clé? Là-haut? Il n'y a rien, là. Hein. Je vais entendre le bouillon. Ah, c'est bon, les gars, il m'a tué. Je vais brûler si je fais ça. Ouais, il est lent, ça va, il est lent celui-là. On voit qu'il a un masque, regardez. On voit qu'il a un masque autour de son cou. Enfin, sur la tête, du coup. Il m'achète la friteuse, non. Et faire des beignets. Et ça me fait respawn, là. Mais ça a quelque chose à récupérer ici, finalement, ou pas du tout. Moi, je vois rien qui m'intéresse sur l'étagère. Il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Hein. Si, je vais voir le mec, je vais lui faire... Bah voilà, je suis ratatouille. Je vais t'apprendre à faire la cuisine comme il faut. Ah, il m'a eu. Oh, la clé. Non, c'est pas la clé. Où avez-vous mis la clé? Ils sont cachés où? Ils étaient là une seconde. Dans l'étagère. Ah, en haut, c'est le centre où je peux monter de toute façon. Ok. Ça me fait rire de tomber dans une soupe, genre. Fuite directement. Un aller sans retour. Get in the soup. Soupa. Ah bah ouais. Mais par contre, question, il y a la garde-manger géant avec des vieux poissons qui datent de 1000 ans. Qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi il n'a pas accès? Avec des marches ou des échelles? Ça, du coup, techniquement, on cherche la clé toujours. Hein. Il y a du bruit. On va chercher le mec. Ok, ouais, donc il nous faut la clé puis redescendre. Ok. On peut pas monter. Si on peut remonter. Ah, on est d'accord. Merci. Oh, man, I'm screwed. J'ai entendu des larves. Ah, mais ils sont plusieurs cuisiniers! C'est sûr qu'il y a un truc qui va se péter la gueule et qui va se réveiller. Ouais, il s'est réveillé tout simplement. Ah, c'est deux frères, ok. Ah. Bah c'est bon, bon pas les gars, il s'est suicidé, c'est bon. Ah c'est grave. Non mais... S'ils sont deux frères, c'est-à-dire qu'à un moment techniquement ils vont me courser à deux. Ah trop d'honneur en vrai. Non le truc c'est un camarade à moi, c'est pas un monstre. Okay.
Bon, ça va, je t'embête pas. La clé, elle est en haut. Il va y avoir une crise d'angoisse, il va se lever d'un coup. Hop. Bon, moi, faut que j'aille monter sur l'étagère. Le problème, c'est que la valise me bloque. Comment je peux faire? Tombe bas, tombe bas, tombe bas. Parce que la clé est mise sur le... Ah non, elle est là, elle est pas si loin. Ok, autant pour moi. Le truc, c'est qu'après, il faut sortir. Allez. 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 Pas ça. Là, faut que j'arrive à me cacher et tout, genre, c'est compliqué. Alors, où est-ce qu'ils sont en cuisine? J'aurais du mal à croire qu'ils partent en cuisine, hein. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui vont me poursuivre. Aïe. Je sais pas où il est parti l'autre, il est direct parti en cuisine? Ça serait grave en vrai. Ah, il a eu peur. Je me disais aussi, c'est une grande cuisine pour un mec, hein. Déjà, il y en a un. Ok. Il est pas frais, mon poisson, il est pas frais. Allez, hop. On passe. Tranquillement, hein. Ah, par contre, elle est belle, leur cuisine. Ils ont une très grande cuisine, hein. Il s'en est foutu des deux qui couraient. Ah, on va se l'acheter. J'ai l'impression qu'il s'en fiche des bruits. Hein. Lui, il a l'habitude d'entendre des bruits partout là. Bon, on va y aller, hein, s'il s'en fiche. Pourquoi je m'embêterais? Mais du coup, il est tout seul, il est parti ou l'autre? Je comprends pas. Et il est où l'autre boucher? Ah bah non, je peux pas pousser. Hein. Mon dieu. Déjà que l'autre porte, j'ai galéré. Alors, celle-là, laisse tomber. Hein. Ouah, j'ai eu peur pendant 5 secondes. On peut faire de la viande. Bien. J'ai vu qu'il y avait une machine à faire du steak en bas. Hop. Ah, une petite statue. Salut, petite statue. Ok, il fallait les casser. Il y en avait quelques-unes au début, je les ai pas cassées. Ah, les rats nous mangent. Et nous, on les mange du coup en retour. Ok, je comprends, je comprends. Là, il y a un message très fort qui est passé, les gars. Mangez-nous, on vous bouffe tout cru. Ok, je peux pas monter sur les machines, donc faut que je fasse quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Bah là, pas grand-chose, hein. Malheureusement. Sur les machines, je vais pouvoir monter dessus déjà. Je sais pas ce que je peux faire avec en fait. La porte c'est pareil, je peux pas faire grand chose. Là si je monte c'est qu'il y a bien quelque chose à faire avec. C'est obligé. Pourquoi je suis dans le coin? Chut. Parce qu'il faut un angle spécial sur notre personnage, donc c'est qu'il doit se passer quelque chose quelque part. Bon, voilà la salle d'avant, c'est pas grave.
Bref. Si on met un corps plus gros, peut-être, ça pourrait passer. En autre bout de verre, parce que j'en ai un autre là. Ah bah voilà. Deux bouts de viande. Alors que je me mette pas dedans, parce que si ça tombe, je vais prendre ma quiche. Ouais. Et maintenant? Est-ce que je peux aller encore plus loin sur les crochets? Le jeu est pas très. Enfin, le jeu est plutôt cloque, ça va. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Mais toujours ici. Qu'est-ce que je dois faire ici? C'est ça la question. On a la viande. Je sais pas ce qu'il faut faire avec le rat. Il y a un rat en haut, on peut rien faire avec. C'est trop bizarre. Là, on a quand même allumé la lampe. C'est-à-dire qu'on a besoin de lumière pour comprendre. La lumière en bas, alors pourquoi en bas? Ça me paraît compliqué. Des squats, enfin il fait des tractions, arrête! Faut juste sauter de l'autre côté. Parce que là, si ça c'est lié à la ventilation en quelque sorte. Peut-être qu'il y a autre chose à faire avant parce que là je comprends pas trop. Ah, il y en a encore un là debout, ok. Autant pour moi, j'ai pas vu le bout de viande, il était dans le fond. Allez, voilà. Que je tombe pas, hein. Ça va, il y a de la viande là, c'est bon. Bah alors. On va redescendre. Ah ok. Il faut tourner, hop. Peut-être que le rat va venir les manger, hein. Ah non. Alors je comprenais pas du coup l'histoire du rat, il servait à quoi le rat? Bizarre ça. Mais qu'il fasse un plan juste sur moi en fait, genre c'est bizarre. Moi j'ai pas grand chose à craindre du cuisinier du coup. C'est vraiment pas l'endroit où il va se rendre les conduits je pense. Il y a bien un moment où je vais devoir le face to face. Face to face to face again. Une clé. Peut-être si je monte. Oh, ça fait un bruit bizarre. Ah ouais il est là c'est sûr il y avait un bruit bizarre. Du coup, je reprenne l'ascenseur derrière lui pour pouvoir monter, ça. On sent il est fatigué. On sent il travaille trop le bouche. Allez, some cheese. Sometimes I dream about cheese. Rappeler l'ascenseur, il va remonter avec moi. Hein. Là, je suis déjà parti. Hop. Après, c'est ouvrir la porte de la cuisine, c'est la question. Ça, mon conduit sert à quoi? Il sert juste à tempo, mon conduit. Donc, il a vraiment remonté et aller dans la cuisine. Okay. Allez, let's go. L'ambiance musicale est pas si mal. Hein. Genre, ça met un petit coup de pression, mais moi, en vrai, là. Zéro pression. En first time les gars, first time.
Ah. Il a eu un coup de chaud, le mob il m'a vu, il a fait oh, ok, c'est bon, toi je t'attrape. Ah, yeah, bah, il m'a eu. C'est vraiment face. Et pourtant, je vois qu'ils ont des masques, les gars. Hein. C'est pas vraiment leur visage. Hein. Bon, il tape un petit croc dans son sandwich. Hein. Ah, la clé sur la table, ok. La fameuse. Bon, ça veut dire que c'est un vieux jeu quand même, vous voyez, il n'y a pas d'animation sur la viande qui coupe. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il fasse un détour de l'autre bout de la pièce? Ça, c'est une autre question. Pas dans la salle d'à côté, ok. Alors, il me semble qu'il a un frère, hein, mais je ne le vois pas. Je vois pas. Je vais m'attraper là. Ouais. Je vois pas à travers. Genre, il est tellement fat le type que quand je monte, enfin quand j'avance vers le haut, je ne vois pas mon perso. Et du coup, c'est très compliqué de récupérer la grille. Ah, faut que j'aille plus vite pour aller de l'autre côté, le mannequin et puis. Ouais, il mange sous son masque, vous voyez. Bon, les graphismes sont pas mauvais, hein. Et rajouter une pointe de... d'animation sur les viandes ou les items qu'on interagit avec. Et le jeu il est fou, hein. Enfin, ce sera un jeu 2023, simplement. Qui a consommé ma viande? Allez, go! Hop! Et on s'enfuit, il a rien vu. On remet un coup d'ascenseur, il va prendre un coup de pression. Ah, il a pris un coup de pression. Bah, c'était sûr qu'il allait prendre un coup de pression. Le temps que l'ascenseur remonte, qui referme, qui redescend et qui se roule. J'ai le temps, les gars. Hop! A tout à l'heure. Là j'ai pas le temps par contre. Hop, on sait jamais, il m'a vu hein. Mais tu es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Merci. Ah, il a fermé la porte. Ah. La semaine. Ok, j'ai la solution secondaire. Et j'aimerais bien avoir un speedrun de ce genre de jeu. Un speedrun, c'est toujours fou furieux. Et sur ce jeu, je pense que ça peut être une bonne... bonne chose, ces speedruns. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une ventouse en plein milieu, il y a forcément quelque chose à faire avec la ventouse. Non, mais en vrai, il n'y a pas de bouton, rien. Peut-être monter là sur les barreaux, bah voilà, c'est ça. Ok. Ok, ok, ok. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous cuisiner, le PPR là? Là, on peut sortir, donc ça c'est un bon vouloir. Ah, il fait la vaisselle, ok. Ah, finalement, il s'en sort pas si mal en cuisine, hein, mais je pensais qu'il était vraiment deux. Il y avait un tableau divisé en deux. Ah, ouais, salut. Ah, j'ai de la mousse, donc je suis plus lent. Ah, ils sont deux, on est d'accord. Bon, je me suis pas trompé. Ils sont bien deux frères. Ah, oh, mais du coup, l'autre qui était parti tout à l'heure en cuisine, il est parti directement à la plonge? Ou... c'est grave.
D'ailleurs, je sais jamais si on dit ponge ou plonge. Parce qu'on me l'a déjà dit 1000 fois, et on m'a expliqué 1000 fois pourquoi. On m'a engueulé pour me dire que c'était comme ça et pas comme ça, et je m'en souviens jamais. Par contre, ils ont 1500 couverts à... Ben, ils nous risquent. Wow, ils ont 1500 couverts, ils nous risquent, c'est grave. J'en vois, il est où le deuxième? Il est tout là-bas. Allez, hop. Travaillez un peu, les gars, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de trucs, là. Je veux de l'assiette, je veux de l'assiette, je veux du rangement, je veux de la propreté, là, hop, 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 hop. Ah, faut aller là-bas, bon, ça va, je peux monter directement sur la table, ouais. Il m'a vu? Mais non. C'est grave s'il m'a vu. Allez, les gars, je veux du rangement, de la propreté là. Ah, il fouille en dessous, hein, il est pas bête. Ouais, faut que je prenne un crochet qui est de l'autre côté. C'est peut-être le moment un peu plus technique du coup. Ah. J'ai marché sur une assiette brisée. Une assiette brisée. Qui a marché sur l'assiette brisée? Très, ils ont du bon matos, hein, c'est cool. Et j'aimerais que le lore du jeu soit plus poussé. Je sais pas s'il y a un lore qui est inscrit quelque part ou... Ça pourrait être intéressant. Et ils ne peuvent plus rien. Alors. Où sont les crochets? Pas là du coup, je peux pas aller plus loin. Enfin, plus court entre guillemets. Ils refont leur vaisselle tranquillement. Et si on peut récupérer d'ici, il faut toujours qu'on peut sûrement monter. Voilà, on peut monter. Bien, sur la bordure. Je suis pas accroché, non, c'est bon. Et là, pour faire style, je suis sûr qu'ils vont essayer de m'attraper. Genre, tu sais, comme ça. Ah, les bras levés en l'air, là. Enfin, les bras en l'air. Ah, non, pas lui, en tout cas. Lui voit mal. Ah, si. Ah voilà ça. Ah, c'est sûr qu'ils allaient faire ça. Alors qu'il y en a qui est parti dans la salle d'à côté, je sais pas ce qu'il va faire. Il va peut-être couper le couper l'électricité ou... Eh, si t'es logique mec, tire la manivelle. Il y a la pièce d'à côté, et là faut que je me lâche parce qu'il va m'attraper. Hop là. Son pote va arriver. Évident, évident, évident que son pote va arriver. Comme dans les films, oui. Ils vont jeter des assiettes, non? Ah bah, juste des bouteilles. Ah. Je crois qu'on les a battus. Hein. Imagine, il s'accroche à... Non, à un crochet, non, ce serait fou. Ok, j'ai battu la cuisine, ok. Fou. Je vais pas me spoil, je vais pas regarder combien il reste de succès à faire. Et là, pour l'instant, on a fait deux boss. Deux zones de boss. La première a l'air plus longue que la deuxième. Alors, la première, j'ai eu beaucoup de mal à la faire parce que c'était très sombre, très bizarre. Et la deuxième, j'ai tracé. Mais bon, le lore m'a l'air aussi expliqué que le lore d'Inside. Hein. Inside, non. C'est pas Inside le jeu? Où t'as le... Le petit garçon qui est tout seul dans une civilisation, tout en noir et blanc et tout, avec des...
tout le monde est lobotomisé et tout, genre. C'est pas ça, c'est pas Inside. Ah mais Marquis, c'est un album de Bob Burnham. Merci les gars. Non, il y a un jeu qui s'appelle Inside, je crois. Ou c'est un truc qui ressemble très très fort. Ok, donc là on vient de sortir d'un bateau. Hop, on monte. Et on voit que quelque chose est déchargé en face et il y a beaucoup de personnes. Il y a deux personnes. On monte autour du bateau. Trois personnes. Il y a un autre bateau à côté, c'est bizarre ça. Quatre personnes, cinq personnes. Six personnes. Et on fait une fête ou quoi? Et vous avez remarqué, c'est que des fat guys, hein. Y a pas de stick guy, que des fat guys. Mais c'est quoi le lore du jeu? Ils ont tous des masques, hein. Mais c'est full fat guy. Ou fat woman, hein. Woman. Ça me défoncera toujours, ça. Valorant. Excusez-moi, un monde énervé. Valorant. Alors, on va tirer la planche comme la dernière fois. Une seule, ça suffit. Allez, on fonce. Bah, je tombe sur un fat guy, il me bouffe. Voilà, ça c'est la suite qu'ils veulent pas vous montrer. Ah, j'ai mal joué. L'équilibre, tout ça. Pas bien. Ah d'ailleurs, en parlant d'équilibre, laisse tomber. Je dois aller au taf, lundi, ok, mon nouveau taf, il est super loin. Donc je me fais... je fais trajet. Mass trajet en commun. Genre du coup, pour finir le trajet, j'ai pris un skateboard. Parce que je pouvais pas prendre de vélo, ok. Et du coup, ouais. Du coup voilà, je prends un skateboard et je me dis bah c'est bon, j'en ai déjà fait, ça va être facile et tout. J'en ai acheté un hier soir s'il te plaît, hein. J'ai mis deux pas dessus, je me suis cassé la gueule, je fais ok, ça va être long. Oh, il y a une dame en haut à gauche, elle fait quoi? Eh, par contre elle est skinny. C'est une stick girl, c'est pas une fat girl. C'est un peu type asiatique la déco, non? Lanterne et tout, hein. Comme ça. Waouh, les fat guys qui mangent comme ça. Oh, il a les yeux bridés lui. Il est très très vieux. Ah, il rampe. Ah, oh, c'est dégueulasse. Il a. Ah non, je crois qu'il avait plus les yeux. Non. Yo madame, je ne fais que passer. Faut que je monte sur la pile d'assiettes. Arrête. Non. Ton mari il voit rien, alors fais attention. Ton mari mange son fromage à la saucisse, là il est content. Ils sont dégueulasses, hein. Oui, petit être, je t'ai vu, je te suis. Fromage, saucisse. Mange que du fromage et de la saucisse, hein. Pourtant, je sais pas pourquoi ça m'a l'air ultra dégueu ce qu'ils mangent. Peut-être parce que tout est cru. Arrêtez, mon pote. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de questions, mais très peu de réponses. Peut-être que c'est juste un easter egg et que... Ils me servent pas forcément à grand-chose, les pieds de bête comme ça, là. On peut monter, ok.
Ah, il m'a eu. Faut que je passe entre deux. C'est la mamie qui m'a eu. Parce que le but serait de monter sur la caisse qui est là, puis la grille en haut à gauche, si je ne dis pas de bêtises. Parce que les tabourets ils sont beaucoup trop pour que je puisse monter dessus, c'est ça la blague. Oh, ça m'a poussé! Ça a poussé vers lui! Non! Après, je peux y aller tranquille vu qu'ils vont pas s'avancer, entre guillemets. Ils sont coincés dans leur box. Après, tu m'étonnes que les cuisines sont beaucoup difficiles. En vrai, les seuls boss que je peins, c'est les cuisines. L'autre, je sais pas à quoi il sert avec ses longs bras. En tout cas, il les a bleus. Il m'a chopé quand même, hein. Genre, en fait, ce qui est bizarre, enfin, ce qui est mal fait, c'est qu'ils ont toujours... autant ils ont la rallonge parce qu'ils s'avancent, c'est normal. Mais autant ils ont la rallonge parce qu'ils doivent avoir une rallonge et m'attraper de loin. Ça, je trouve pas ça ouf. Je trouve ça dommage, même. Genre, que la hitbox, elle soit... approximative. Très, très approximative. C'est-à-dire qu'il faut que je passe vite et que je passe pixel. Voilà, vite mes pixels, vous voyez. Et je peux pas faire autrement. Ah, du coup, ils remangent, ils font plus attention à moi, ils ont tout cassé, mais il y a du vin partout. Bon, vous inquiétez pas, c'est une petite bête, on va en recroiser d'autres, hein. Après, la question c'est qu'est-ce qu'il mange? Il mange de la bébête ou il mange des vraies choses? Alors, il y a du pain. Alors, je sais pas à quoi peut servir le pain. Je peux aller là-bas de toute façon aussi. Oh, si. Ils vont tomber de leur chaise là, ils vont tout casser, je pense. Ah, il tombe de la chaise. Il rampe, frère, c'est grave. C'est quoi ce monde bizarre là? Oh, il charge. On dirait que je parle d'un sanglier, genre oh il charge. Il charge. Oh. L'ascenseur monte, c'est pas un bon signe ça. Oh, c'est le cuisinier. Est-ce que le repas se passe bien? Il va arriver vu qu'il y a une cachette. Je suis pas caché. Voilà, tout est dit. En une phrase, j'ai résumé la situation. Moi, je vois qu'il y a une petite poupée à casser là, donc c'est quand même moins d'y aller. Hein. Bon, il m'a vu. Ah, faut que je prenne l'ascenseur du coup. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est grave ce qui vient de se passer. Non, il m'a pas vu. Je jette tout sur le tapis, genre. La glace. Oh. Mais du coup, la map elle est bizarre, non? Enfin, la maison est bizarre. Enfin, ce monde est bizarre en fait, tout simplement. Ce jeu est bizarre. Ah,
passe tout ce qu'il dit, mec. Hop. Oh non, non, il découpe de la viande. Ok. Il est à gauche, du coup. Il va me poursuivre. Ah, non, ça va, il m'entend jouer. Qu'est-ce que je peux faire en bas? Il y a la lumière allumée. Les tiroirs, on peut les monter, les tiroirs? Ouais. Non. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire là à droite? Il y a la lumière. Allô? Hello, comment ça va? Ah! Oh, ils sont bizarres, oh. Ils sont mis dans une pièce. Qu'est-ce qu'ils foutent à mis dans une pièce? Les uns sur les autres. Avec ou sans masque, c'est pareil, hein. Wow, regarde les. Dégueulasse. Comment que je pensais? Je me suis coincé pendant une seconde et demie, genre. Ah, ils voient même pas, ils sont en train de tourner. Ils m'ont juste écrasé, ils m'ont pas mangé. Ah, c'est grave, les gars, un effort. Allez, tout droit, tout droit. Là, j'appuie que sur droite. Et puis en bas, quand faut aller en bas, hein, mais. Bon, comment c'était-vous Hop là. Je pense que le saut est vraiment un boost de vitesse hein, dans les speedruns. C'est certain que le speedrun est fait avec que des sauts. Mais non, arrête. L'armoire tombe pile quand j'ai terminé de passer l'armoire, du coup ça m'écrase à la fin. Bah là là, pas de chance. Pas de chance du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, est-ce que le jeu pense que je suis pas censé aller aussi vite, du coup Non, ouais, le saut c'est fif, non? Ouais, j'ai l'impression que le saut me ralentit un peu, même. Salut, Do! Je me suis écrasé par une commode! C'est pas marrant! Ah, je joue à une main le jeu tellement qu'il est simple. Comment ça va d'où la journée, tranquillou? Ah, le speed m'a fait perdre de la vitesse. Ils ont monté sur la table ou pas? Waouh, la blague, ils montent sur la table. La blague, c'est qu'ils montent sur la table, c'est grave. Tranquille la journée d'eau, poseille, pépère. Il faut qu'il mange quelque chose, tu vas manger quoi? Y'a rien là. Ça va, comme j'aurais pas dû dire la dernière game MDR. Mouais. Mouais. Mais tu sais que, t'as dit quoi la dernière game? On l'a gagné, je crois. Ouais, si, on l'a gagné. Après, vous êtes partis toutes les deux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai écouté un peu de musique, une petite vidéo et je me suis endormi sur la vidéo. Du coup, je me suis réveillé ce matin, j'en suis pris plein la gueule. La lumière. Les deux écrans du PC allumés. Le casque derrière mon coude, j'étais pas bien. Du coup, tu diras à Flouche que mon casque était à 90%, il est reparti à 50%. Et je suis en train de le recharger de temps en temps, genre. Enfin, tout à l'heure, je l'ai rechargé avant le stream pour être sûr. Mais là, c'est reparti pour recharger un coup, hein. Après, j'ai le temps jusqu'à 18h. Je vais pas manger mon pote, quand il va me donner la saucisse. Donne. On partage, je sais pas. Bah non, mais il y avait une saucisse, frère, mange la saucisse. Je t'ai levé 10 minutes avant de penser. Le son va fort, hein, attends. Voilà. Ah, il a mangé son pote, il est con, il y a une saucisse, frère. Pff, c'est grave. Ah, mais 10 minutes avant de bosser. Écoute, moi je me suis levé de manière complètement random ce matin, j'avais oublié qu'il y avait un stream, ok. Et puis à 8h30, je regarde, je fais. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis je réfléchis, je dis, attendez, mais le stream control, c'est pas aujourd'hui. Alors je regarde, effectivement, il y a le stream control. Mais la chose étant, je ne peux pas stream control parce que ça freeze. J'ai essayé tout à l'heure en live, ça ne marche pas. C'est grave.
Allez, fais un effort, tu vas y arriver. Bien. Est-ce qu'il faut se cacher ou pas? Non. Ah, je fais confiance, je pense qu'il y avait personne. La salle de réception, on a fait déjà 3 niveaux là. On a fait 3 niveaux aujourd'hui, ça va trop vite. Enfin, le premier, on l'avait déjà commencé. Le 1 est long, le 2 et le 3, ça va. Hein. Ah, c'est là, on va faire tous les succès du jeu. Voilà, la déco est à redire. Hein. On peut en parler de la décoration, les gens. Alors l'ambiance c'est un peu bizarre. On sent que c'est plus classique que le restaurant déjà, ou que le reste des salles. Allô? Ah? Ça marche comme ça maintenant, elle me désintègre genre. Bon, à toute d'eau, merci de passer. Et puis bah, bonne chance pour le taf. Hein. Elle doit dire profite bien, genre. GL à chef. Alors, GL, oui. À chef, je sais pas si t'en as besoin. Il y a une petite poupée là sur son bureau. Faut que je la casse. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je pourrais monter sur le bureau. Mais elle me désintègre avec un coup de main, genre. Enfin, avec. Bah, juste en me montrant sa main, elle me désintègre. C'est grave. Elle se refait une boîte dans un miroir brisé, c'est poétique hein, quand même avec la musique qu'elle chante. Hein. Waouh. Ça me libère des émotions. C'est beau putain. Ouais, go casser ça. Ouais, sous le meuble quand même, hein, je veux dire. Il y a la clé. Elle a arrêté de chanter, mais elle est où? C'est la vraie question. Ok, plus devant son miroir. Elle s'est enfuie. Genre, le perso a peur de quelque chose, mais il me désintègre avec une main, genre. Oui, c'est cassé tout seul, tant mieux. Où est le méchant? Dans le placard? Ouais. Après, je pense que ce sera plus une heure de mannequin. Il y a des mannequins partout là. Attends, juste pour savoir, est-ce qu'on peut tirer là le drap ou pas? Oh, c'est mal. Pas bien le jeu, pas bien. Alors qu'on a largement la hauteur, ça se voit. Hein. Tends les bras, petit bonhomme, tends les bras. Alors, je sais pas où elle s'est enfuie la dame. Hein. Là, elle est partie au bout de la terre, sur Tatooine. Hop. Avec des mannequins, donc je sens que ça va jouer avec des mannequins, c'est sûr. Elle est derrière moi, elle est derrière moi, elle est derrière moi, elle est derrière moi, elle est derrière moi. Ah mais c'est que de la fumée, c'est pour ça qu'elle a disparu la dernière fois, c'est de la fumée. Hein. Elle est où parmi toutes? Celle au fond à gauche a l'air plus suspecte que les autres. Elle a cheveux plus tenus. Qu'est-ce que je dois faire? Trouver la bonne? Vous êtes l'imposteur! Vous! Je comprends pas ce que je dois faire là. Alors au moins les mannequins se tourneront tous vers moi parce que c'est cliché, je vais dire bon bah voilà, écoutez. Mais là pour moi je vois pas trop ce que je dois faire. Où est la prochaine salle aussi, c'est ça aussi la question. Bah j'ai trouvé, mais bon.
Donc oui, ça va vraiment se jouer sur les mannequins. C'était sûr parce que quand je suis arrivé dans sa chambre, il y avait déjà 36 mannequins. Ça n'engage rien de bon. Ah, c'est là où on avait vu tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, au tout début du jeu, quand on avait l'œil nous montrait cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici, ça, la question? Le miroir est brisé. Et ça nous le tourne sous un angle différent. Alors, qu'est-ce qui se tourne? Pourquoi? Et c'est sûr qu'il y a un truc à faire avec ça, mais quoi? Ah, ça s'enlève, c'est un miroir, d'accord, je crois que c'était un œil bizarre. On va lui ramener parce qu'elle est gentille avec nous. Ah, on va pouvoir envoyer son pouvoir, non, c'est pas ça la blague. Ok, c'est un combat qui s'engendre entre les deux boss. Ah. Ok. Elle va défoncer. Ah, faut que je reste dans la lumière. Au centre de la lumière, surtout. Et oui, c'est un pouvoir qui peut la repousser, elle. Ok. Ah mais du coup oui c'est pour ça, elle ne doit pas se voir, si elle se voit elle meurt. Enfin c'est bizarre quand même de voir ça. C'est pour ça qu'elle se maquille dans un miroir brisé, d'accord. La lumière est à gauche. J'ai acheté le miroir pendant une seconde. My bad, my bad. Bon, c'est pour le succès, là, tu sais, mourir 20 fois, ouais. Ouais, celui-là, là, ouais. Oh. Je suis fatigué. Allez, on va y arriver. Donc là, au milieu. Ensuite, c'est en bas à gauche. Après, j'imagine que c'est en bas à droite, en haut. Ça serait logique. Elle va arriver de droite. Non, bah, je me suis tourné vers elle, ça va pas marcher. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème de mannequin, hein, c'est juste la meuf. Enfin, la dame, elle est pas très gentille, quoi. Allez madame, s'il vous plaît. Oh, en bas à gauche, allez. Attends, la question c'est d'où? Vite, relève-toi. C'est sûr que c'était à droite puis en haut, c'est certain. Je me mets à gauche, je vais arriver en haut à droite. Voilà. Ah mais je commence à comprendre la mécanique du boss. Genre je commence à comprendre comment il codait le jeu. Et il va être en haut. Si je regarde en haut, elle va arriver en bas. Enfin si je regarde en bas, elle va arriver en haut, ce sera plus simple. Ah non. Elle me fait des effets. Ouais, je sais pas quel effet elle voulait faire. Encore? Ah, en bas, bien. À gauche, donc elle arrive à droite. Dans l'angle mort, hein. Fouah. Bon, ok, je suis à faire le deviner. Ok, ils ont bien joué, ils ont bien joué.
C'est bon, madame, j'ai un miroir là. Il faut un grand miroir, un plus grand miroir. Ouais. Et je vois pas où est-ce qu'on va aller par la suite, donc je sais pas si... Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On a battu la madame, et après on fait quoi? Parce que c'est le seul boss qu'on tue réellement, finalement, hein. Oh, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on va manger. On va la manger? Bah non. Si? Ah, son cou est bien tendu, là, hein. Son vêtement, il a commencé à glisser, ça a laissé montrer son cou. Ah bah on va la manger. Voilà. Ouais, et ensuite... Elle est morte. Donc on a battu un boss, on a tué un boss. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'enfant de dragon, il récupère des pouvoirs quand il tue un dragon. Son visage non plus, hein. Donc là il se passe quoi? Allô? Que passa? Le jeu est tout noir. Ah. Yes, mister. Voilà. Je suis devenu quelqu'un de des ténèbres, là, je suis devenu un méchant. Là, je fais que marcher, les gars, une main levée. On va se faire tuer, non? Ah ouais. Je suis tué en marchant à côté, non, mon perso est devenu méchant, il est devenu obscur. Tout meurt à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle brûle. Ah, du coup, c'est ça la fin du jeu? Et notre perso devient quoi? Dans l'appartement de la dame? Bah, notre perso devient quoi du coup? J'espère que c'est pas fini comme ça. Tu vois, le jeu il a environ 2h30 de survie. Hein. 3h max. Un jeu avec 3h de vie. Hein. Enfin, ça se peut, hein, mais. Et on fait quoi du coup? Les petits êtres, on a sauvé deux du coup, donc on en a deux. Nous, on est en train de partir là. Ouais. On joue les petits, non? Même pas. Bah. Quoi? Déjà? J'espère qu'il y a un 2. J'espère qu'il y a un 2 et qu'il suit. L'histoire là, enfin que ce soit la suite de cette histoire là, parce que. Y a trop de questions à se poser là. Que devient notre personnage? Le lore? Dans quel monde où est-ce qu'on est là? Y a pas beaucoup de lore, les gars. Hein. Le gameplay est pas mauvais, les sons sont pas mauvais, les ambiances sont pas mauvaises. Enfin, quand je dis ambiance, je parle son plus level design, les gars. Level design est pas mal du tout. Même plutôt bien foutu là. Sauf sur au début du jeu, premier niveau, première vidéo qu'on a faite, c'est quand il fallait prendre la lumière derrière la porte
Enfin, faut le voir, hein, qu'il y a un interrupteur. Faut qu'on le voit pas. Il y a la porte devant. Mais sinon, ah, c'est pas mauvais, hein. Pas mauvais, pas mauvais. Hop là. Bon, du coup, pendant que ça tourne. Je sais même pas si on va faire autre chose, hein, finalement, parce que contrôle on peut pas. Ça c'est fini. Contrôle, je sais pas si on peut faire quelque chose. Enfin, contrôle on pourra pas. Pour mieux que je dise comme ça. Contrôle on peut pas. Little Nightmares on l'a terminé. Alors, petite question, est-ce qu'il y a le Little Nightmares 2? Ça pourrait changer beaucoup de choses, attendez. Ah. Ah, il y a le 2. Alors, est-ce que c'est la suite ou est-ce que c'en est un autre? C'est la question. Ah, je peux pas changer les vidéos malheureusement parce que ça va... Alors, ça a l'air d'être une suite quand même. Hein. Parce que là, il y a un autre perso qui arriverait là, du coup. Après son long périple. Hein. Et là, on a un autre perso, vu qu'il a un carton sur la tête. Hein. Et après, il s'accompagne. Et du coup, il est pas sous son esprit maléfique à l'autre. Bon, alors peut-être que le 2 est avant le 1, du coup, dans le lore. Bizarre. Bon, les méchants, là, te faire plus peur. Et elle a un long coup, frère. Un très très long coup. Là, il y avait aussi des petits soldats qui nous attaquaient, j'ai l'impression. Dans la nature. Parce que, comment il a pu sortir du bateau pour aller dans la nature? Surtout lui. Et après, les deux se sont croisés. Et là, il y a un mec avec un fusil à pompe. Donc là, le jeu a l'air beaucoup plus dur, ok? Il y a des mannequins, du piano, ok. On rentre dans une télé. Il y a des téléporteurs, ok. On se bat contre des mannequins, donc il y a vraiment du combat. Non, c'est pas le moment, Marty. Pas de tentation, tu ne peux pas. On va mettre autre chose. De toute façon, là, j'ai pas grand chose d'autre à stream, malheureusement. Pas tout de suite avec la coque que j'ai. Ce qu'on peut faire, je vais m'arrêter là, tout simplement. Ce soir, on va faire d'autres jeux. Tac. Ce soir, il y a Among Us. On sera, je veux dire, une quinzaine environ. C'est le max qu'on peut faire, mais on sera normalement une quinzaine. Ce sera le bordel, ok. Donc, tant mieux. Si on a le temps, on fera un SCPRP. Enfin, un SCP. Un SCP Secret Lab. Pas un secret. Pas un SCPRP, juste SCP Secret Lab, le jeu. Parce qu'on n'a pas pu le faire hier, du coup. Pas assez de monde. Et voilà. Malheureusement, contrôle, on n'a pas pu le faire. Je suis désolé. Hein. Je pensais que ça fonctionnerait, mais. Écoutez, le jeu veut pas tourner en stream. Moi, il tourne bien sur le PC, il est fluide. Hein. C'est vraiment sur le stream qu'il y a un problème. Mais bon. Moi, à part ça, je peux pas faire grand-chose. Hein. Bon, allez. Sur ce, une excellente journée à vous. On se revoit ce soir sur SCPRP, normalement, et Among Us, certains. On sera une quinzaine. Ce sera le bordel, on compte sur vous. À ce soir, et encore merci d'être venu, d'avoir participé et justement d'avoir suivi. Salutations! N'oublie pas toujours le Battle Pass à gagner lundi, les deux Battle Pass du coup, et le pack cadeau.